Le nouvel album de Renaud, moi je l'adore, j'écoute en boucle. Je crois que c'est vraiment du Renaud comme on l'aime. C'est du Renaud, du très 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 bon Renaud. Et ben voilà, c'était pas dur. Rouge sang, le nouvel album de Renaud sort lundi. Sous les avalanches, t'es pas étanche. Dans cet igloo, tu te cognes partout. T'as pas la dégaine, t'es mis à qui t'aime. T'as pas le cerveau, la dame avec un chapeau. Tu te rends compte qu'à ton âge, j'avais déjà composé Les Béton dans mon HLM, quand même. Ah là, je crois franchement qu'avec son dernier album, Vincent Delerme a atteint le sommet de son art. C'est l'album de la maturité, c'est la flamboyance de l'écriture, la plume, les mélodies, la voix. C'est génial, génial. Eh bien, celle-là. Ouais. Les piqûres d'araignée, le nouvel album de Vincent Delerme, déjà dans les bacs. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, ils vivent dans les... Sinon, des cours de chant, non, plutôt non, quoi.